Hello tout le monde, c'est Thibaut Beau, et on se retrouve pour la suite de Pitch Showtime. Donc voilà, là du coup on avait terminé le niveau détective la dernière fois, même si je trouve ces niveaux un peu longs, donc c'est relou. Mais écoutez, c'est pas très grave. Là on va aller au sous-sol, et bah pour faire le troisième niveau détective. Je l'ai pas fait la dernière fois, hein, parce que bah, la dernière fois c'était juste ce niveau là m'a pris beaucoup de temps. Donc voilà. Et puis... Détective, il est où? Je crois qu'il est ici. Ouais. Ok. Musée sombre et quoi? J'ai pas vu. J'ai pas vu du tout. Mais écoutez, c'est pas grave. Donc là, on va faire ça. Ce niveau, il y a que 5 étoiles. Donc logiquement, ça devrait être plus court. Et puis, donc on va faire ça. Et après, on va faire la porte. Vous savez, la porte qui est au milieu, eh ben, du troisième étage, du coup. Voilà. Là on va faire ça et on va enfin être débarrassé de ces niveaux là. Parce que en fait vu que c'est long ça commence à me saouler un peu. Cherchons des indices. J'ai pas vu le premier dialogue. Mince. L'étincelle détective connaît pas. Et quand bien même je l'aurais pas vu. Et puis qu'est-ce qu'il ferait ici, hein? Y a rien de normal dans le musée. Bizarre lui, hein. Ouais. Ok, j'ai une super bonne nouvelle. L'étincelle détective a rejoint Dame Syrah. C'est une super bonne nouvelle. Hein? Bon, on n'a plus besoin de toi. Tu peux retourner d'où tu viens. What? Ah, je peux pas. Je peux pas y aller? Du coup, c'est un des deux. Et. J'ai pas d'indice en fait là. Enfin, j'ai que ça? Sérieux? What? Mais c'est bizarre. Je dirais lui parce que déjà il me bloque. Ouais, il me bloque un peu la porte, on va dire. Et puis dire que c'est une bonne nouvelle, c'est très bizarre. Après que l'autre le connaisse pas, à la limite. Ouais, ok. Et bah voilà. Pff, tu peux pas te laisser berner. Bah non. Ah d'accord, et je peux le traverser sans souci, d'accord. Personne de chez personne. Qu'est-ce que c'est, la première fois que j'entends ce mot. Quoi? Il n'y a personne de plus dans ce musée, alors perds pas ton temps et rentre chez toi. Flair de la vérité. Ouais. Ok. Masse de transformation sculptée dans la pierre. Ok. Bah, allez, on va ouvrir les coffres, écoutez, hein. Hop là, let's go. Ok, nice. Oh. Ouais. Y'a quoi dessus? Si jamais il m'arrive quelque chose, voici ce qu'il faut faire pour ouvrir les portes centrales. Examine dans le bon ordre les œuvres ayant un élément commun. J'ai foi en ton talent de détective qui t'a déjà permis d'arriver jusqu'ici. Bonne chance, signé l'étincelliste détective. Dans le bon ordre. Ça, j'étincelliste. Non, mais merci. Je veux dire qu'il est derrière ses portes. Regardons toutes les œuvres du musée pour trouver l'élément commun dont on parle la note. Ouais. Je vais commencer par ouvrir les coffres. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Un élément commun aux œuvres exposées. Bah, ça n'a rien à voir avec ces petits ronds. Ils sont juste là pour faire joli, rien de plus. Avec ces petits ronds? What? Ouais. Relief antique du gemme d'étincelle. Sculpture d'oiseau en bois. Ah bah c'est ça. Non. Sarcophage du roi. Non. Enfin ça c'est... C'est les mêmes. Ouais bon ok. Urne théamienne. Ok. Mollusque fossilisé. Je peux aller là? Ah oui. Un cristaux bleu, un cristaux jaune, y a rien d'intéressant ici. What? Nada, alors on va voir derrière, tu veux. Lui, je lui fais pas du tout confiance. Ah, vraiment? Pourquoi il est énervé comme ça? Il se met devant un diamant, enfin, j'étais presque eu. Ok, cristal rose. What? Eh, je vous avoue que là... Oh, je suis perdu. Ça n'a rien à voir avec ces petits ronds. Ils sont juste là pour faire joli. Mais quel petit rond?
De quoi il me parle? Et puis si je fais ça aussi là sur lui, ça fait quoi? Mais oui, non, mais là il y a que des ennemis. Tu m'as démasqué, mais il y a que des ennemis. Ah, les petits ronds qui sont là, d'accord. Ok, attendez, du coup, il faut que je fasse un éclat de succion sur tous les... Attendez. Une seconde. Là, il dit... Attendez. Examine dans le bon ordre les œuvres ayant un élément commun. Ok, en fait, là, c'est ça, c'est les petits ronds. Donc, je dois commencer par lui parce qu'il n'y en a qu'un seul. Ensuite, je dois examiner celui qu'on a deux, ensuite trois, et ensuite lui au milieu qui en a quatre. En gros, c'est ça. Ok. Ça va sûrement être ça. Ça va sûrement être ça. Donc le deuxième, c'est le... Ok, c'est bon. Ouais, je viens de comprendre. C'est bon. Mais ici, il n'y a que des ennemis. Il n'y a pas de... À part le... l'étincelliste détective, il n'y a personne de... Entre guillemets, de réel. Enfin, il n'y a pas de vraie personne. Ok, on va ouvrir ça. Phew. Qu'est-ce qu'il veut? Je viens de faire le ménage, alors on va pas t'amuser à toucher au statut. Ouais. Est-ce qu'il faut tous les démasquer pour faire avoir une étoile? C'est lassant. What? Ah. Ah, faut tous les mettre dans ce sens-là pour qu'ils aient le nez qui brille, là. Ok. Ok, encore un. Voilà. Ouais, bon, ça c'était pas du tout dur à comprendre. Ah, ok, ça m'ouvre celui qui en a trois. Qu'est-ce que tu as fait? Mais comment il se tient? Ça me fume. Tête de théâtrique dorée, ok. M'en fous. Moi, je veux juste avancer, d'accord. J'espère juste que ça va pas être hyper long. C'est tout. Et puis là-bas, il y a quoi? Un ascenseur? Pourquoi? Ah, pour le ruban, ok. Super. Aïe. Allez, je suis bloqué. What? Attendez. Il y a du vide, mais comment je fais pour passer du coup? L'autre là, il est de l'autre côté, hein. Ouais, je connais cette sacoche, quelqu'un l'aurait laissé ici. Oui, bah, merci. Ok, non, je peux pas y aller par là. Ok. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est examiner lui, parce qu'il y a quatre... il y a quatre trucs, là. Il y a quatre petits ronds. Voilà. Ça va pas m'ouvrir la porte. Si, ça m'ouvre la porte. D'accord. Est-ce que la première étoile, ça va être une succession d'énigmes ou pas? Moi, ouais, je sais pas. Hein. Mais du coup, au-dessus là, je fais comment? Parce que... je sais pas. Je peux pas m'approcher de ce truc, alors... est-ce qu'il faut que je... Attendez. Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Attendez. Non, eux, je peux pas les bouger. Attendez. Est-ce qu'il faut que je les bouge comme ça ou pas? Ah, voilà. Ils venaient d'en haut. Ok. Fallait qu'ils soient dans le même sens que la statue qui est au-dessus. Ok, et j'ai vu qu'elle avait un nez violet. Donc, ouais, violet, rose. Voilà. Let's go. Ok. Allez, ouvre le coffre et donne-moi de la money. Ok. Bon, bah écoutez, on peut avancer. Mais oui, j'espère que ça va pas être long. Mais là, j'ai eu qu'une étoile.
Mais le fait de démasquer eux là, en fait, ça sert à rien. Enfin, sauf genre pour lui parce qu'il bloquait l'accès à ça là, mais sinon ça sert à rien. Alors en tout cas, ça a servi à rien. Oui, non, l'autre, le premier, là, je l'avais déjà eu. Ok. Ah, c'est lui. What? Détective, c'est moi. Oui, mais c'est l'assistant du détective, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas lui. Je suis à la recherche de l'étincelle détective tout comme vous. Je suis sûr que c'est pas lui. J'arrive à la conclusion qu'il était piégé dans cette salle. Oui. Mais heureusement, j'ai été pris au dépourvu en trouvant ici quatre étincellistes. Je te serais gré de trouver le vrai. Nous reverrons, je suis certain. Après, ils m'aident pas. Mais je suis sûr que c'est pas lui. Il ne reste pas pour nous aider. Bah voilà! Tout de même, je ne m'attendais pas du tout à le croiser ici. Bah non. C'est pas si important. Allons leur parler afin de trouver le vrai détective. Une fois que tu l'as trouvé, confirme ton hypothèse par un éclair de suspicion. Oui, merci, je sais. Je suis le vrai détective. Je suis le véritable. Ok. Ok, je suis le seul et unique détective. Je suis bien content de te voir. Que même si on a capturé, j'ai fait quelque chose plus longtemps. Allez, enfuyons-nous. Tu n'as pas besoin que je te dise quoi que ce soit. Tu t'as déjà mené à la vérité. Je sais que tu reviendras une fois de plus. Ouais. Oui. Cellule détective, bingo, tu l'as juste devant toi. Sans moi de là, c'est clown de côté parce qu'on a du pain sur la planche. Puis j'ai pas d'assistant, tiens, la place est libre si tu veux. Ok. Moi, je partirais sur lui. Honnêtement, je partirais sur lui parce que. Oh, attendez. C'est le seul qui a un nez. En fait, le nez orange et leur nez de base, c'est le nez orange, non? Sud droite, je dirais que non, parce que. Ouais, et puis y a que ça, hein. Y a pas d'indice. Sud droite, il me dit qu'il a pas d'assistant. Étincelliste détective. Ouais. Même si Rama m'a capturé, j'ai fait quelque chose d'épouvantable. Mais là, comment je suis censé. Ah. Non, lui, il est énervé. Vraiment, je partirais sur lui, en fait. Parce que le premier, il est énervé. Pourquoi il serait énervé? Le deuxième, il est souriant. Et puis lui. Et puis, en fait, lui, c'est le seul qui restait calme. Et puis le dernier, ça aurait pu être lui aussi parce qu'il était un peu triste et tout. Tu as prouvé que tu étais une excellente détective. J'ai pas eu un seul instant que tu réussirais à m'identifier. Ouais, allons-nous-en. Et puis ouais, en fait, le dernier m'a dit ouais, j'ai pas de d'assistant. Alors que si. Donc voilà. Il se passe quoi là? Une impasse. Nous allons trouver un autre chemin pour sortir, trouver des indices. Ouais. Alors qu'est-ce que ça dit? Pour ce détail, elle est vraiment soignée. Ok. Rien de particulier. Hein? C'est fait de papier. Je pense qu'elle contient. Rien en fait. Ouais. Cette loupe est vraiment énorme. On peut même pas la prendre. Oui. Là. Ok. Pourquoi la porte elle s'est re-ouverte? Dans un château, je me demande qui l'a peint. Ok. Et ça? À quoi peut servir le rouage? Ok. Rien de particulier. Rien de particulier. Non, sur le pas pour trouver un autre chemin. Ouais. Ah! Ah, d'accord. Ok. J'ai capté. Dans la même salle que tout à l'heure, c'est très étrange. Ça voulait que nous étions transportés vers un endroit mystérieux. Mais nous devrions pouvoir trouver des indices. Ouais. Ah! Pour commencer, j'ai pris cette salle en photo pour toujours nous y référer plus tard. Ah, va falloir trouver les différences, non? C'est ça? Pas de sortie ici non plus. Et là, on va revenir dans la même salle, mais de l'autre côté. Donc là, il va reprendre une photo. Il faut trouver les deux salles similaires connectées par une porte. Pris au piège entre ces deux salles, c'est ce qu'on veut faire croire, mais il y a un moyen de nous échapper. Je vais accrocher la photo que j'ai prise sur ce mur, elle pourrait nous être utile.
C'est ça, il faut que je trouve les différences. Quoi que ce soit particulier. Non, attends, je veux examiner la photo. Ok. Ouais. Photo de la salle adjacente, mais je sais. Non, mais attendez. Je pense que ça doit être ça. Il faut que je trouve les différences. Il n'y a pas de loupe. Il n'y a pas la loupe. Là, la loupe n'est pas là. Ouais. Éclat d'intuition. La loupe n'est pas là. Sur l'autre, dans l'autre salle, elle n'est pas là. Ok. Ah, il n'y avait qu'une différence à trouver. Ok. Tu as résolu le mystère. Ok. Ça, c'est cool. Trouver les différences. Ça, c'est vraiment cool. J'aurais aimé qu'il y en ait plus. Voilà. On va ouvrir le coffre. On va prendre le cœur. Et puis, on va aller ici. Let's go. Fuyons. Oh, on n'est pas encore sorti, hein. Pas encore, pas encore. Ok. Mais ça, en fait, c'est facile parce que tu vas juste vers la caisse qui brille. C'est là où il y a l'étoile, en fait. Donc, voilà. Ok, ça, c'est la quatrième. Nice. Donc là, on va se diriger logiquement vers la dernière salle de ce niveau. Est-ce qu'il va y avoir un boss pour un niveau de détective? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il y ait un boss, hein. Détective. Ah, par ici, vite. Ouais, c'est mon assistant. Quelle surprise, tu es même arrivé ici avant nous. Oui. Ouais, la sortie est par là, nous devons nous presser. Ouais, nous précipitons pas. Je voudrais d'abord te poser quelques questions très simples. Hein, je veux dire, pas de problème. Hein, comme tu sais, il n'y a pas de coussin sur le canapé dans notre bureau. Alors si nous devions en acheter un, quelle couleur choisirais-tu? Dans un moment que je trouve que ce genre de question très étrange. Mais bon, je dirais violet. Très bien, à présent, à quelle heure arriverais-tu si tu devais rencontrer quelqu'un à 9h? Ces questions sont vraiment bizarres, mais elles méritent d'être faciles. Pour rencontrer quelqu'un à 9h, il suffit d'arriver à 9h. Ouais, je vois, je n'ai plus qu'une question. Que penses-tu de Syrah? Dame Syrah, je veux dire que... Il y en a marre de ces questions stupides, il faut vite qu'on s'échappe par cette sortie. Très bien. Nous disposons de toutes les réponses nécessaires. Oui? Elle se comporte très bizarrement aujourd'hui. Mais c'est pas le vrai. C'est pas le vrai assistant. Il aurait pas pu arriver ici. C'était sûr. Mais évidemment. Ça s'est vu tout de suite. Ça s'est tout de suite vu. Et puis la sortie, c'était une fausse sortie. Je savais cette sortie et cet assistant était des leurs. La sortie est devant nous, à présent, nous plus qu'à nous échapper. C'est bon? C'est fini? Ok. Bah écoutez, c'était pas très dur. C'était moins long. Musée sombre et mystère violet. Ok. C'était moins long que les deux autres niveaux. Bah forcément. Les troisièmes niveaux sont toujours plus courts. Mais je suis content. Là que ça n'a pas été long. Après, je vous dis honnêtement, j'ai large préféré ce niveau aux deux autres. Voilà. Celui d'avant, le deuxième, franchement, il m'a vraiment saoulé. Je vous jure, il m'a saoulé. Et le premier, ça allait. Mais celui-là, j'ai beaucoup plus aimé. Et parce qu'il était moins long. Forcément. Voilà, ça a une durée correcte pour un niveau comme ça. Tes déductions étaient... je sais pas quoi, bravo. Ok. Donc écoutez, voilà. Et du coup, là, on a combien d'étincelles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Il nous en manque plus que 4. 4 étincelistes à libérer. On a déjà fait plus de la moitié, écoutez. Donc voilà. Et ouais. Vraiment, ce dernier niveau était beaucoup mieux, je trouve. Et écoutez, là, on va pas s'arrêter là pour aujourd'hui. On va juste faire ce niveau là. Voilà. Il en faut combien? 25. Allez. J'en ai large assez. C'est bon. Voilà, let's go. Donc, niveau de boss du troisième étage. Oh, Dame Syrah encore. Let's go. Non, je vais pas passer parce que... Première fois qu'on voit ça. Peach, 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 Estella, comment osez-vous défaire ainsi mes pièces pourtant grandioses?
On fait ce qu'on veut. Il est maintenant clair que je vous ai sous-estimé et que je devais même considérer comme des rivales. Ha ha ha. Ouais. Peach, elle est énervée. C'est rare qu'elle ait un regard énervé, hein. Malgré vos efforts, la scène qui doit accueillir ma grandiose œuvre tragique sera bientôt terminée. Ouais. Ok, c'est quoi ça? C'est un loup? Hélas, vous ne la verrez pas. L'humiliant, sois gentil et occupe-toi de ses casse-pieds. L'humiliant? Ah non, c'est un lion. Ok. Voilà, c'est un lion. Ok. Ah, zone 2D. Ok. Pourquoi pas. Ok. Ok. Oui. What? C'est quoi ça? Ok. Je comprends pas ce qu'il faut faire là. Ah, attendez, il faut que je chope ça. Ah, ok. Je crois que j'ai capté. Il faut que je chope ce truc là. Ok. Nice. Hop là. Magnifique. Ah non, non. Mince. Ok. Ah, retour à la norme. Ok. Bah, je pense qu'il faut que je le tape 3 fois avec ces trucs là. Ok, mais en fait il revient pas en bas. Ah. Ok. Ok. Nice. Alors attendez. Hop là. Let's go. Ok, c'est ça. 3 fois avec ces petits trucs. Et comme ça, ça lui met, on va dire, un gros coup. 3 petits coups et ça lui met un gros coup. Donc, faut le taper 9 fois, quoi. Ok, pourquoi pas. J'attends de voir les la deuxième phase et puis la troisième, hein, mais... Ah, maintenant, il a mis du vide, carrément. Ah, mais attendez, je peux aller là. Ok. Ah, mais je peux le taper avec ça aussi, direct. Ouais. Oui. Allez, arrête de faire faire nimp là. Aïe aïe aïe. Ouf. Ok, oh, je m'attendais pas à ça. Ok. Ok. Let's go. Voilà. Magnifique. Ok. Mais je peux déjà l'attaquer entre guillemets sur sa forme normale, pas en fait quand il change un peu la salle. Je peux déjà l'attaquer avant, genre comme ça là. Ok. Après ça dépend, mais ouais. Ouais, ok. Vas-y si tu veux. Si tu veux. What? Faut que je trouve le bon. Bah le bon c'est lui là. Ah, je peux les rechanger de... Ok, je peux les retaper, même quand elles sont bleues, les trucs. En fait, le vrai, c'est celui qui a une ombre. C'est tout. Et du coup, ça, c'est le faux. Oula, oula, oula. Oh, il est malade. Et... Waouh. Ok. Il est malade, hein. Il est fou. Ok, d'accord. Ok, nice. Mince, ah. Ok, c'est un peu dur à... C'est pas très dur à comprendre, mais c'est dur pour le viser, en fait, par contre. Ok. Aïe. Non, je peux pas l'attaquer direct. Pour moi, je suis sûr. Ok. Oui. Vas-y. Change la salle, si tu veux, y'a pas de souci. Ouais. Ok. Ah, let's go. Voilà.
Je l'ai retapé une fois et je crois qu'il faut. Faut que je le tape encore combien de fois là? Une? Une seule? Une seule, ça devrait suffire là. Une fois. Les deux premiers boss c'était franchement bien. Après le truc avec le char là. Franchement j'avais pas aimé. De toute façon je vous avais déjà dit. Ok, hop, on va faire ça. La blague. Et celui-là, moyen. Moyen, moyen. Franchement. Aïe, ouh. Ah ouais, ok, il a le droit de faire ça, ok. Bon, c'est, ça reste mieux que le chat. Le boss du chat, là, qu'on avait fait. Franchement, ça reste mieux. Ouais, bon. Ça manque un peu d'originalité quand même, je trouve. Après ça passe. Celui-là, j'ai envie de dire que ça passe, mais vraiment sans plus. Ok, nice. Ok. Ah voilà. Non, il lui manquait que deux fois en fait. Let's go. Normalement là, c'est bon. C'est la dernière fois. S'il n'y a pas une quatrième fois, c'est bon. Ok. Ouh, super. Ah, j'ai pas regardé. Comment Bah si on a vu en fait son nom. Et écoutez voilà, c'était pas hyper compliqué, c'est juste en fait pour le viser avec les petites boules qui nous envoient. Des fois c'était un peu compliqué par moment, mais ok. Donc là troisième étage c'est out et on va débloquer le quatrième. Je sais pas il y a combien d'étages, 4 peut-être 5. Une grande partie du théâtre a retrouvé sa splendeur, c'est grâce à toi. On est censé faire des miracles, on devrait monter une pièce à ton sujet. Oh, bah peut-être que ça va être le cas. Mais avant cela, il faut qu'on s'occupe de Syrah, le prochain étage, et aussi le dernier, peut-être qu'on y trouvera. Ok. Bah oui, on n'a plus que 4 étincellistes à libérer. Et dans chaque étage, il y a 4 niveaux. Donc en fait, les 4 derniers niveaux, ça va être les derniers. Et après, au milieu, ça sera la porte. Bah, je pense qu'il y aura aussi une porte. Et à mon avis, on affrontera Dame Syrah direct. Donc écoutez, voilà. Ouais, on approche déjà bientôt de la fin. Déjà. Donc écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, là, on n'aura plus que 4, 5 épisodes. Peut-être 6 ou 7. S'il y a encore des trucs après la fin, en vrai, je pense. Mais ouais, écoutez, on verra bien. Donc, on continuera la prochaine fois. Et c'est ça qui est ça. Mais donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager. Ça me fera vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. C'est très important. Et donc, voilà. Donc, sur ce, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Ciao.